dit, quelle est la boisson la plus consommée au monde? Alors, vous allez me dire, l'eau. Ok. Mais la deuxième, celle qui vient juste après, eh bien, c'est le thé. Il se consommerait sur la planète 15 000 tasses de thé par seconde. Le thé, c'est toute une aventure qui s'étend sur des millénaires, sur des milliers de kilomètres aussi, la route du thé. C'est une route de légende qui commence ici, là, au milieu des plantations de théiers à l'infini. Le début de l'aventure, c'est là, à l'ouest de la Chine, à la frontière avec la Birmanie, dans la région du Yunnan. Le Yunnan, c'est une province immense, presque aussi grande que la France, et qui, grâce à son climat tropical, est une sorte de jardin d'Éden. Des rizières étincelantes, des cultures de céréales gigantesques, et bien sûr, des plantations de thé à perte de vue. Et il existe ici un thé unique, un thé différent. Ah, elle grimpe aux arbres! Ça fait bientôt 50 ans que je grimpe sur ces arbres. Le thé puer pousse sur des arbres centenaires. Et depuis quelques années, son prix atteint des sommets. Vous voyez cet arbre? C'est le plus ancien du village. On l'appelle le roi des théiers. Ces feuilles, je les ai vendues pour 43 000 euros le kilo cette année. Déguster ce thé, c'est comme entrer dans un autre monde. Un monde de volupté. Mais franchement, j'ai jamais rien bu d'aussi suave. C'est une caresse. Parcourir la route du thé au Yunnan, c'est reprendre les routes, les pistes, les sentiers qu'empruntaient autrefois les caravaniers et leurs montures. Le tout sur près de 2500 km. À 3000 mètres, suivre un pro du trek, ça tire un peu. Et le long du chemin, une Chine de toujours, des ethnies différentes, une ambiance, un patrimoine préservé. Et il y avait combien de porteurs de thé qui venaient dormir ici? Entre 40 et 50 caravaniers. C'est vraiment un lieu très particulier, il y a une vibration ici. On imagine les chevaux dans les tables qui attendent pas loin. Sans le cheval, la route du thé n'aurait sans doute pas permis de transporter grand-chose. Il est toujours honoré sur cette terre qui, en même temps, se modernise. Les anciennes pistes caravanières ont laissé la place à un serpent de bitume, à plus de 2000 mètres d'altitude, une autoroute qui tutoie les sommets. Et quand on voyage dans le Yunnan, l'événement à ne pas rater, le must, c'est la plus grande fête de l'année, le Nouvel An. D'autant plus qu'à la fin, le rafraîchissement est offert. C'est complètement fou. Il y a des milliers de personnes en train de s'arroser. Ma toute première étape sur la route du thé est un village. Un village quelque part, dans la montagne, à 1500 mètres d'altitude, situé sur l'une des 7 collines légendaires du thé. Ça, c'est le gong du village, qui est juste là, le petit village
de Manjing, juste au-dessus des nuages. Et le gong, c'est un petit peu comme les cloches de l'église de chez nous. En fait, c'est un appel à venir vénérer dans ce temple celui qu'ici on appelle l'ancêtre du thé. L'ancêtre du thé, c'est celui qui aurait découvert le thé dans la région et qui aurait donc apporté la richesse au village. Et dans cette petite bourgade, tout le monde cultive le thé. Le thé puer, une variété unique qui ne pousse qu'ici. L'altitude, la chaleur, le soleil et l'humidité de la région, chacun de ces éléments est essentiel à ce thé d'exception. Nous sommes au printemps, il est 8h du matin, et c'est le moment de partir à la cueillette. J'ai rendez-vous avec la famille O, qui n'attend plus que moi. Ni hao. Bonjour. Ah mais il y a toute la petite famille. Bonjour. Voici ma femme Nana, mon père et ma mère. Ah, ok, bonjour. Ça, vous vous sens sur le départ, là. Vous partez au champ tout de suite, là? Oui, on a beaucoup de travail aujourd'hui. Il ne faut pas perdre de temps. En plus, on va cueillir sur un terrain difficile. Bon, je vous suis. La cueillette du thé, c'est une affaire de famille. Pour Ronnie Zhang, sa femme Nana, ses parents, les cousins et les cousines, tous venus prêter main forte. Voilà le théier. Là, dans ce creux? Oui, c'est là que se trouvent nos plus vieux arbres. Des arbres qui sont là depuis combien de temps? Plusieurs centaines d'années. Les plus vieux ont 1000 ans. 1000 ans? 1000 ans? Il faut descendre là-dedans. C'est ça. Bon. Ça y est, c'est déjà parti. Oh, elle grimpe aux arbres. Et pourquoi vous venez cueillir ces vieux arbres placé dans un vallon à moitié accessible? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce sont des très vieux théiers qui appartiennent à nos familles. On fait ça depuis toujours. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont dans la famille, ces arbres? Longtemps. Ce sont nos parents et nos grands-parents qui nous les ont laissés en héritage. Et pourquoi continuer à cueillir ces vieux arbres et pas faire des plantations régulières, mécanisables, plus pratiques? Jamais. Ici, on cueille le fameux thé puer qui ne pousse que sur ces arbres. Et c'est ça qui fait la valeur du thé de la région? Exactement. Je peux avoir une idée du prix d'un kilo ou d'un panier de thé ici? Environ 1700 yuan pour 500 grammes. Ah oui, ça fait pas loin de 250 euros le kilo. Ah oui, oui, c'est un trésor. Franchement, vous passez dans cette forêt, vous ne voyez rien. Et en fait, c'est un trésor. Un trésor qui a bien failli disparaître lors de la grande famine des années 60. Les paysans avaient alors arraché la plupart des arbres à thé pour les remplacer par des plantations de riz. La famille O, elle, avait conservé ces arbres centenaires. Et c'est aujourd'hui comme un cadeau du ciel. Ces arbres lui permettent de vivre confortablement, car ce thé est devenu un produit de luxe. Alors, il y a une technique de cueillette là-bas que j'aime bien. Je vais aller voir. Hop. Hop. Un pied là, vertical. Tout ça avec une certaine grâce. Et voilà.
Ça fait combien de temps que vous grimpez aux arbres comme ça? Ah, j'ai 50 ans. Alors ça fait bientôt 50 ans que je grimpe sur ces arbres. Quand j'étais petite, je cueillais déjà le thé ici avec mes parents. Je devais avoir à peine 5 ans. Montez avec moi. Je sens que c'est... J'ai moins la technique. Hein. Bonjour. Ni hao. On est pas mal, là. Oh, mais ça vacille un peu, non? C'est solide? Oh, ça craque. Non, ça va. Ça craque. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le fait de monter dans les arbres comme ça quand vous étiez petite? Ah, c'était amusant d'être perché. J'aimais bien. C'est bien plus drôle que de marcher sur la terre ferme. On est pas mal, là. Et vous savez que vous voir là, toute ravissante, avec vos boucles d'oreilles, votre jolie tenue, au milieu d'un théier avec la vue derrière, franchement, c'est un joli spectacle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de flirter dans un théier? Parce que là, on est bien, on est un peu isolé, en hauteur, bercé par le vent. Oui, avec mon mari, on s'est rencontrés comme ça, perchés dans les arbres. On travaillait ensemble, comme nous, aujourd'hui. On était jeunes, mon mari était fort et agile. La famille Ho fait partie des Bulang, l'ethnie majoritaire de la région. Pour les Bulang, c'est le jour le plus important de l'année. Le jour où l'on célèbre les dieux de la nature. Me voilà donc embarqué sur une drôle de machine pour aller honorer en pleine forêt Ai Deng, l'ancêtre du thé. J'aime bien cet engin. C'est pas une camionnette, c'est une sorte de motomionnette en fait. Et je savais pas que ça pouvait transporter autant de gens une moto. On peut mettre combien de personnes là-dessus? On peut charger 10 personnes. Une moto transporte 10 personnes. Ça, c'est bon ça. Et il y a beaucoup de motomionnettes en Chine comme ça? Oui, beaucoup. Ah ouais? C'est plus pratique que les deux roues. Et avec ça, on passe partout. Voilà. Ah oui, mais il y a un petit manque de puissance quand même, là, non? Il y a trop de poids à gauche. Ah oui, il faut équilibrer le poids. C'est difficile, avec toutes ces ornières. Le pilote de la motomionnette s'appelle Kenan. C'est un peu le maître de cette mystérieuse cérémonie. Il me conduit dans un lieu tenu secret jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là, complètement perdu dans la forêt? C'est un lieu extrêmement important. C'est ici qu'on célèbre nos divinités. Ce sont elles qui protègent la forêt du thé. Nous devons les remercier car c'est grâce à elles que nous pouvons vivre ici. Ce lieu secret est un véritable sanctuaire. Ici, les Bulang viennent se placer sous la protection des divinités de la nature en faisant des offrandes autour d'un des plus vieux arbres à thé de la région. Leur prière, obtenir une bonne récolte et une vie sereine jusqu'à la fin de l'année suivante. Les billets au centre, là, c'est pour qui? C'est pour notre ancêtre du thé. Il s'appelait Ai Deng. C'est lui qui a découvert le thé. C'est l'ancêtre de votre ethnie, les Bulang, qui a découvert le thé? Oui, c'était il y a plus de 1400 ans. Les Bulang ont poursuivi cette culture de génération en génération. Et comment il a découvert ça? Pendant un séjour en montagne, Ai Deng est tombé malade. Il a découvert par hasard ces feuilles vertes. Et il en a mâché. Et il a guéri grâce à ça. Puis il est revenu au village avec ce thé. Et depuis, tous les Bulang croient que ces arbres sont magiques. Et donc ils les protègent. Mmh.
Qu'est-ce qu'on leur offre aux dieux en général? Parce que là, je vois des bananes, des... Là, il y a un poulet. Qu'est-ce qu'ils apprécient? On leur offre des légumes, des fruits. Ce poulet, c'est pour ses os qu'on l'a posé ici. En regardant les os, on peut savoir si on aura une bonne année. Ah bon? Avec les os du poulet, on pourra prédire ce qui se passe dans l'année? Oui, on saura ce que l'avenir nous réserve. Avant et après la récolte. Il y a un truc qui m'épate aussi, c'est que, alors, on met des offrandes aux dieux en pleine forêt. Pour nous, ça paraît un peu une autre planète. Et en même temps, on filme avec des smartphones. Et on est d'aujourd'hui. Hein. Allez-y, c'est votre tour. Il faut honorer nos dieux. Et ça va me porter chance aussi? Oui, beaucoup de chance. Ok, okay. Et il faut vraiment que les dieux aiment le poulet au riz? Ils aiment le riz blanc, c'est sûr. Et les dieux fument aussi alors apparemment? Oui, absolument. Ils mangent, ils fument. On croit aux dieux, on croit aussi qu'ils peuvent tout faire, comme nous. Mais jamais d'alcool. D'accord, donc ce sont des dieux bons vivants. Oui, c'est ça. Bons vivants. C'est un don pour protéger tes poules et tes cochons. Mais j'ai pas de poules. Voilà, le thé puer, c'est comme ça donc qu'on l'appelle, un thé qui est cultivé dans toute la région. Alors ça a l'air très, très préservé comme ça, comme un monde à part. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un énorme business, que ça brasse même énormément d'argent. Alors pour sentir un petit peu le marché, il faut quitter la campagne, aller en ville, c'est là-bas que ça se passe, direction Canton. C'est une vitrine de la Nouvelle Chine, où les tours se disputent le ciel avec les nuages. Canton, 14 millions d'habitants, la troisième mégalopole du pays après Pékin et Shanghai. Les immeubles grignotent peu à peu la ville historique. Mais un quartier fait de la résistance, c'est le marché au thé. Des milliers de boutiques où s'échangent des sommes colossales à en faire pâlir les hommes d'affaires de la ville moderne. Chaque matin ici, un ballet se met en place. Pour cette chorégraphie, des sacs gavés de thé pu'er et beaucoup de sueur. Nous, on ne fait pas un métier facile, hein. Une ambiance à peine troublée par l'arrivée de cette grosse cylindrée aux vitres teintées. Zhang Xian est à la tête d'un petit empire. Ah. C'est une des femmes les plus importantes de Chine pour le fameux thé pu'er. Et ce jour-là, elle doit recevoir une importante livraison. J'ai 200 sacs pour vous aujourd'hui. 200 ? Ouvrez-moi un. Tout va bien ? Oui, oui. Laissez-moi regarder. Ça a l'air pas mal du tout. Qu'est-ce que vous vérifiez là ? Je vérifie que le sac était bien fermé, s'il n'a pas plu sur la cargaison pendant le transport, s'il s'agit bien des emballages d'origine. C'est tellement précieux. C'est seulement en venant sur place que je peux être rassurée. Et là, tout va bien? Oui, tout s'est bien passé aujourd'hui. La journée commence plutôt bien pour Zhang Xian. Elle va traverser le labyrinthe de ses boutiques car son prochain rendez-vous est déjà annoncé. Au cœur du marché,
Elle a un des plus beaux magasins. Elle y reçoit uniquement sur rendez-vous. Et cette visite est peut-être la promesse d'une importante commande. Le thé que nous allons déguster provient de la région de Yiwu. Il se caractérise par sa couleur foncée. Rien qu'à le sentir, on devine les parfums riches. L'orchidée, le miel et quelques centaines de fleurs. Tout ça est dans ce thé. Laisse-moi sentir. Madame est une de ses clientes les plus fidèles. C'est vraiment très parfumé. Elle a fait fortune dans l'immobilier et a attiré ce jour-là de nouveaux adeptes. Je viens ici une fois par mois. L'année dernière, j'ai commandé 5 ou 6 tonnes de thé à Madame Zhang. 5 ou 6, oui, c'est ça. Ça doit représenter environ 1 300 000 euros. C'est très beau, on dirait de l'huile. C'est le moment crucial pour Zhang Xian. Merci. La dégustation. Respirez profondément. J'ai l'impression de voir la forêt devant moi. Il a aujourd'hui 2 ans, mais il atteindra son apogée dans 8 ans, en 2025. Franchement, je l'adore. La reine du Pu'er vient encore de signer une commande. Ce thé a fait la renommée de Zhang Xian depuis 17 ans. Pour son commerce, elle détient un incroyable stock, un trésor qu'elle a installé ici, dans ses anciens entrepôts, près du port. Dans ses cartons, des milliers de galettes sur 4 étages. Comme chaque thé est une composition unique, comme un souvenir, j'en ai acheté et acheté toujours plus lorsque j'ai commencé mon activité. Mais jamais je n'aurais pensé que ça prendrait une telle valeur. Regardez, ce thé-là sommeille ici depuis 15 ans. Et maintenant, je vais vérifier s'il a bien vieilli et son parfum. Regardez, la surface est un peu graisseuse. C'est naturel. C'est ce que l'on cherche pour l'été. Il faut une température et une humidité bien spéciales. Cette galette pèse 160 grammes seulement et elle vaut environ 1300 euros sur le marché. La conservation se fait entre 23 et 30 degrés et c'est justement le climat de Canton. Le principe est simple, plus ils sont anciens, plus ils sont savoureux. Et tout le monde se les arrache. Les thés Pu'er vieux de 30 ans commence à être rare et cher. On a peu de chances d'en trouver. Et ceux âgés de 50 ans s'achètent aux enchères, où on se les transmet de génération en génération, par héritage. Pour satisfaire ses clients fortunés, Zhang Xian doit dénicher les meilleurs thés. Une fois par an, elles seront dans la région de Yiwu, au cœur de la province du Yunnan, le berceau du thé Pu'er. Elle vient inspecter la dernière récolte. Les habitants, essentiellement des paysans, vivent désormais uniquement des précieuses feuilles vertes que la nature leur offre 2 fois par an. Elle a rendez-vous ici avec le représentant des paysans. Un moment crucial pour ses prix d'achat. Et d'emblée, une mauvaise nouvelle.
L'an dernier, je vous vendais 300 euros le kilo, mais cette année, il n'a pas beaucoup plu. Je vais être obligé de vous le faire à 340. La production a diminué et la récolte n'a pas été bonne. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée de payer un prix élevé pour avoir des thés de première qualité. Je dois être respectueuse. Je n'ai pas non plus envie d'exploiter les récoltants, car ces thés, ce sont des ressources précieuses reçues de leurs ancêtres. Moi, je voudrais vous commander 10 tonnes cette année, comme d'habitude. Vous pourrez quand même me les fournir ? Aucun problème. Affaire conclue. Zhang Xian va verser près de 3,5 millions d'euros aux paysans de Yiwu. Ici, tous les villages ont bénéficié de l'augmentation astronomique du prix du thé. L'exemple le plus frappant se situe au bout de ce chemin de terre chaotique. Les forêts d'arbres à thé encerclent cette bourgade. Nous sommes à Laobanjiang, avec ses toits azur. 500 habitants et autant de millionnaires. Yang Kairong n'en a pas vraiment l'air, mais c'est l'un de ses nouveaux riches. Vous voyez cet arbre ? C'est le plus ancien du village. On l'appelle le roi des théiers. Ces feuilles, je les ai vendues pour 43 000 euros le kilo cette année. Pour protéger son trésor, Yang a même dû éloigner les curieux, car on vient de toute la Chine pour photographier ce théier miraculeux qu'ont 10 millénaires. À Laobanjiang, on n'a que des arbres très grands et très vieux comme ça. Un jour, un grand maître du thé est venu ici et a affirmé que notre production était la meilleure de toutes. Alors, le prix s'est mis à augmenter de façon incroyable. Et vous vous attendiez à faire fortune grâce à ces arbres ? Je n'avais jamais pensé gagner autant d'argent avec mes théiers. Avant, on était pauvres, vous savez, mais vraiment pauvres. On habitait dans des maisons en paille et en terre. Et maintenant, on a vraiment la vie facile. La spéculation autour du thé a bouleversé sa vie. Avec l'augmentation des prix, le paysan a déjà acheté 2 maisons et 3 voitures. Dans le village, les 4x4 ont remplacé les tracteurs, partout. Et Laobanjiang poursuit sa métamorphose. À chaque coin de rue, un chantier. Cette habitante vit ses dernières semaines dans sa maison de fortune, en bois et en tôle. C'est ma future maison là-bas. Ils sont en train de la construire. Il faut cultiver pendant combien d'années pour s'offrir une maison comme ça ? Il nous a fallu 1 ou 2 ans. 2 ans, je crois. Une maison de 3 étages, payée cash, en 2 ans. L'engouement de la Chine pour son thé pu'er est donc en train de changer les campagnes du Yunnan. Et à la ville, à Canton, la demande est toujours en augmentation, car le pu'er ne connaît pas d'âge. Et la jeunesse dorée découvre maintenant ce breuvage. Xiao Xue, 32 ans, est plutôt habituée aux ciseaux qu'au couteau. Elle est créatrice de mode et elle a invité 2 amis à dîner. Elle ne fait pas que boire du thé, elle le cuisine aussi. Je mets du thé pu'er déjà infusé dans la casserole. Cuite de cette manière, la viande sera moins grasse. Au menu, émincé de porc au thé et petits légumes croquants. Cuisson au wok.
La viande est imprégnée du goût du thé. Et puis, grâce à cette cuisson, elle est plus tendre. Xiao Shui nourrit une vraie passion pour le puer. D'ailleurs, elle a décidé de suivre une initiation pour se former à l'art du thé. Et cela commence dès le lendemain. La jeune femme se rend dans un des magasins les plus chers du marché au thé. C'est en fait une petite boutique aux merveilles. Des boîtes à thé, des tasses, des théières, rapportées de toute la planète. Le tout en porcelaine, en fer ou en bois. Xiao Shui est prête à faire des folies pour un nouveau service ou cette petite théière. Celle-ci coûte 380 euros. C'est une théière en grès rouge de Yijing, entièrement faite à la main. Elle mettra très bien en valeur la couleur du thé. C'est un objet qu'on vend beaucoup. Et regardez, ça c'est une théière de ma collection. Elle a déjà plus de 100 ans. Elle date de la dynastie Qing. Elle est vraiment magnifique. Cette petite pièce vaut 4000 euros. Mais Xiao Shui va rester sur son premier choix. À l'autre bout de cette ville frénétique, la deuxième étape de l'initiation attend la jeune femme. C'est un cérémonial. Le but, apprendre à servir le thé avec les bonnes manières. On présente le thé comme ça. Et on commence. Ce rituel s'appelle le Gong Fu Cha. Cela signifie prendre le temps pour le thé. D'abord, il faut verser de l'eau bouillante pour chauffer et rincer les tasses. Pour guider la débutante, une référence, la maîtresse de thé, 19 ans de métier. En versant, il faut trouver le bon point pour libérer les parfums du thé dans les vapeurs d'eau. Très bien. Xiao Shui a déboursé 400 euros pour cette formation. Je suis venue ici pour apprendre à servir le thé avec élégance. Et puis, le thé est ainsi plus savoureux. Vous savez, le thé puer est indissociable de notre culture. C'est une sorte d'héritage que nous devons préserver. Voilà pourquoi je suis prête à passer du temps ici pour apprendre. Plus on verse, plus il faut augmenter l'inclinaison. Et à la fin, pas besoin d'insister en secouant. La beauté orientale est fondée sur la discrétion. Ce rituel est né il y a environ 1000 ans, sous la dynastie Song. Cela n'a rien de religieux. Il s'agit de révéler les arômes du thé en le gardant à la chaleur pendant toutes ses étapes. Dans la tradition asiatique, la femme ne doit pas montrer ses dents. Il faut donc boire comme ça. Mettez les doigts ainsi pour ne pas cacher votre visage. Une autre manière de boire, c'est de tenir à deux mains. Mais comme cette tasse est fine, vous risquez de vous brûler. Vous pouvez donc un peu desserrer les doigts. Ces gestes raffinés
La créatrice de mode espère bien les répéter à son tour devant ses futurs invités. Pour mettre en valeur ce thé que désormais tout le pays chérit sans mesure. Alors ce thé si précieux qui fait partie de l'âme de la Chine et puis qui en même temps est un business millénaire, comment ça se passait au temps des mules et des chevaux? Comment est-ce qu'on faisait pour transporter ce thé sur des milliers de kilomètres à travers les montagnes? Eh bien la réponse, elle est là. C'était des petits sentiers comme ça. La route du thé, c'est un ensemble de petits sentiers ardus qui arpentent les contreforts de l'Himalaya. Tout un réseau de pistes encore visible aujourd'hui, qui partait du sud Yunnan pour remonter à l'ouest vers le Tibet ou à l'est vers les capitales impériales. Ce réseau qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, un homme le connaît comme sa poche, un Français, Jean-Yves Tolu. Il vit en Chine depuis plus de 10 ans et il m'a proposé de partir avec le sac à dos sur les traces des caravaniers. Et ces pierres-là, elles ont senti le sabot de la mule? Oui, le sabot de la mule depuis 1000 et quelques années, depuis 1200, 1300 ans. Ces pierres-là? Oui. Les mêmes? Oh, bah, elles ont probablement changé, quelques-unes ont été remplacées, mais la route, elle, existe depuis le 7e siècle. Alors, quand on transportait le thé sur ces tout petits sentiers, on le transportait comment? À cheval, à chameau, à alors, dos d'homme. La légende, en tout cas, le mythe veut que ce soit à dos de mule ou à dos de cheval. Ouais. Mais en fait, on oublie beaucoup que c'était quand même beaucoup à dos d'homme. Ah ouais. Et donc, les porteurs portaient des cargaisons de thé qui étaient colossales. Le minimum, c'était 60, 80, 90 kilos. 90 kilos? Et ouais. Sur un seul homme? Mm-hmm. Et il y a même quelques records, en quelque sorte, de porteurs qui allaient jusqu'à 120, 150 kilos. Oh là là. Mais c'était des... Donc c'était 2-3 fois leur poids. C'était des montagnes de muscles. Et c'était des colosses. C'était des anomalies. Ah oui, c'était une épreuve incroyable. Mais c'est une épreuve physique sans nom. Et alors, on ne compte pas le nombre de gens qui y restaient. Il y avait énormément de sentiers de montagne qui étaient extrêmement étroits. Le moindre faux pas, et avec une charge aussi lourde sur soi, et c'était fini. On terminait dans le ravin. On tombait comme dans des ravins comme celui-là. Ah mais non, ouais, c'est pas de débat sur la question, c'est extrêmement dangereux. Il y a tout un mythe un peu flatteur, mais un envers du décor extrêmement dur aussi. Et alors, si on prend une galette de thé, mm-hmm. Combien de temps est-ce qu'elle va mettre pour aller du sud du Yunnan, où on était, mm-hmm. jusqu'au Tibet, par exemple? Alors, bah, ça dépend des caravanes. Il y a des caravanes plus ou moins rapides, mais il faut compter environ 6 mois. Le problème, c'est que à 3000 mètres, suivre un pro du trek, ça tire un peu. Et le prochain relais, prochaine auberge, c'est où? Ah bah c'est le village de Chassis. C'est loin? Oh non, d'ici encore deux pizzas. Oh. Là, quand la caravane arrive là, devant la porte de la ville... Libération. Soulagement, oui. Soulagement. Ouais. Mais moi, j'ai du mal à imaginer quand même 120... Ils étaient 120 dans les grosses caravanes. Oui, jusqu'à 120 sur les grosses caravanes, oui. 120 personnes avec les chevaux, les chiens. Les chiens et tous les soldats armés, enfin des gens en armes qui étaient là pour protéger la caravane. Et tout le monde rentre? Alors non, les grosses caravanes ne rentrent pas. Les petites, elles, peuvent rentrer et ont le privilège, en quelque sorte, de pouvoir aller dormir dans les auberges. Les grandes caravanes, non, restent à l'extérieur.
On a envie d'y aller quand on est devant cette portière. On sent qu'on change de monde. On est aspiré finalement. On est aspiré. Il y a comme un... ouais, tout à fait. C'est un tunnel vers autre chose. Ah, oui. Là, on s'imagine tout de suite une ambiance, des fêtes, des costumes. C'est tout un monde qui s'ouvre. Et on quitte la montagne, là, le côté rude des lieux d'où l'on vient. Incroyablement préservé ce village. Mais il est unique. Des villages comme ça en Chine, il n'y en a pas 10. Hein. C'est, ah oui. Ah non, c'est extrêmement rare. Sur toute la Chine. Ah oui, sur toute la Chine. C'est hors norme. Hein. Et on retrouve toute l'architecture traditionnelle, les matériaux traditionnels, le bois, les adobes. Est-ce que c'est cette ambiance-là que voyaient de leurs yeux les porteurs de thé, quand ils arrivaient ici pour se reposer un peu? Ah bah c'est assez fidèle, hein. Ils marchaient sur ces mêmes pavés-là. Il y avait toute cette ambiance un peu protégée comme ça. Et les muletiers, les porteurs se retrouvaient ici pour se reposer. Et puis c'était aussi manger, parce que il fallait qu'ils portent aussi toute leur nourriture. Donc quand on arrivait au bout de 3, 5, une semaine de marche, on avait peut-être épuisé son stock. Il fallait encore refaire son stock et puis profiter, faire bombance quand on arrivait dans le village. Donc là, on arrive sur le marché hebdomadaire de Chassis, marché qui a lieu tous les vendredis. Ouais. C'est là que ça se passe, hein, tout le monde est là. Ouais. Tous les habitants des villages avoisinants, les groupes ethniques des montagnes descendent tous. Ils arrivent le vendredi matin et ils vont vendre leur propre production. Il y a beaucoup de vendeurs d'ailleurs qui vendent leurs babioles. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des tas de trucs bizarres. Des œufs déjà durs et un peu noirs. Ouais. Ça, a priori, c'est des œufs de canard qui ont fermenté. Et c'est un régal, les gens. Moi, je n'aime pas ça, mais les gens ici aiment ça énormément. Ça a vieilli combien de temps? On les appelle parfois les œufs de 100 ans. Mais ils n'ont pas 100 ans. En fait, comme tous les trucs un peu... On est attiré et en même temps, on a envie de goûter. Oui. Moi, je goûterais bien, là. Vas-y. Allez. Tu peux en acheter un? Oui. Tu as un peu. C'est bon? C'est combien? Donc, 2,50 yuan. Ah oui, ça fait pas cher, ça fait combien? 2,50 yuan, ça doit faire 30 centimes. Ok. Merci, siessier. Et alors, il faut que je l'épluche aussi. En principe, normalement, ça se mange chaud dans le porridge. Ça se mange aussi comme ça, mais ça va être costaud, là. Je peux y aller? Allons-y. Non, mais c'est bon. Ça va? Pas trop salé? Non. En fait, c'est un œuf dur. Voilà, un bon œuf dur, mais qui a beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Ouais. C'est pas fade. Demain matin, petit déjeuner. Non, mais franchement, j'adore. Elle est partie. Et il est bon, hein? Excellent. oui, elle veut que j'en achète deux maintenant. Plus tard. Ou un idiome, va. Si, si. Ah tiens, là on retrouve du thé qui est vendu sur ce marché, comme à l'époque de la route du thé et des chevaux. Donc en fait ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'années qu'on trouve du thé ici. Ah mais ça fait plus de 1000 ans qu'on a ça sur les marchés. On a des galettes de thé pu'er. 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 Donc le thé pressé en galettes, c'est le thé traditionnel. Moi je disais pu'er.
En français, oui. Pouvoir. En chinois. En chinois. Oui. Exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les caravanes, en fait, qui chevauchaient et amenaient toutes ces denrées, ont créé des marchés, en fait, à étapes régulières, parce que les muletiers avaient besoin de se restaurer, de dormir, de se retrouver. De boire du thé. De boire du thé. Et donc, en fait, à la fois, les caravanes ont fait les marchés ont fait les caravanes. Et ça valait cher, le thé, à l'époque, déjà? Ah oui, oui. Bah, plus le... Il y a différents grades de thé, mais il y a des thés qui peuvent valoir très, très cher, et à l'époque, c'était le cas. Il y avait des barèmes. Tel cheval, un étalon, allait valoir X centaines de kilos de tel thé, ou encore plus si le thé était moins bon, une mule, un borichon, allait valoir beaucoup moins. Donc, il y avait des... Parce qu'on payait en unité thé. Et voilà. En fait, le thé était aussi utilisé comme monnaie, en fait. Et donc, dans son porte-monnaie, on avait des galettes de thé? Dans son sac à dos. Tiens, bah là, ici, on a ce qu'on appelle des cordyceps. C'est quoi? Des cordyceps. Des cordyceps. Alors, c'est ce qu'on a ici. Imera. Typiquement, là, ça, c'est un ver qui a été parasité, en fait, par un champignon qui l'a parasité de l'intérieur et qui l'a tué, en fait. Et donc, ça, c'est... C'est le champignon qui a poussé dans et autour du ver. Voilà, exactement. Et donc, c'est un mélange végétal et animal. C'est bizarre. Et c'est une médecine tibétaine, dite aphrodisiaque, et qui est très, très, très appréciée des Chinois, des Japonais. Et ça vaut une fortune. Ah bon? C'est 50 à 100 euros du gramme. Du gramme? Du gramme. Dans les contrées tibétaines, où je randonne de temps en temps, on trouve les Tibétains qui sont à quatre pattes pour aller chercher un par un. Ils les vendent à prix d'or. Et on les retrouve dans les grandes villes chinoises, au Japon. Et c'est efficace? Ah, ça, je n'ai jamais consommé. Évidemment. Alors, chaque fois que je pose cette question, tout le monde répond ça. C'est bizarre, personne n'a jamais essayé, pourtant, ça coûte une fortune. Je vous propose d'en acheter quelques-uns et faire un test. Et vous en vendez beaucoup? Non, alors pour le coup, elle reste floue sur le fait que les hommes comme les femmes peuvent en consommer. D'accord. Ça reste. Les hommes aiment bien en prendre. Ça leur donne beaucoup d'énergie. Mais c'est délicat d'en parler. Ah, d'accord. Et alors, vous avez un très beau costume. Vous êtes de quelle ethnie? Nous sommes Yi, de la région de Dalyangshan. Et c'est important de montrer à quelle ethnie on appartient par son costume? Oui, on est fiers de porter notre costume traditionnel tous les jours. C'est très important. C'est pas seulement pour être belle au marché? Non, pas seulement. On le porte vraiment tous les jours. Merci, c'est très joli. Merci beaucoup. Elle vous demande d'où venez-vous? De France. Faguo. Hoyuan. Donc elle ne sait pas où est la France et je dis que ça vient de très loin. Est-ce que vous pouvez me dire où vous imaginez que ça se situe, la France? Non, elle ne sait pas. Pas la moindre idée? Non, pas du tout. C'est loin. Mais merci beaucoup. Xie xie. Continue. C'est très joli ici. Oui, la grande place de Chassis. Superbe, hein? Bon, une de mes places préférées ici. Mais là, on recule de plusieurs siècles. On remonte dans le temps, oui. Allez, là, on est en Chine. Il y a un côté un peu Chine d'époque, avec tout ce bois, cette pierre. C'est la Chine éternelle. C'est un peu la Chine comme dans les rêves. Oui, c'est ça, la Chine éternelle, la Chine des rêves. C'est super agréable, hein? Et là, on a le temple de Chassis, où les muletiers se retrouvaient et venaient chercher protection pour leur périple. Ah oui, avec les... Parce que ceux-là, je les connais. Avec les deux gardiens du temple, qui sont des gardiens très méchants comme ça, un peu courroucés. En fait, lui, il s'appelle Ra,
Et lui, il s'appelle Et pour garder le temple et pour empêcher les mauvais esprits d'entrer dans le temple, ils avaient deux techniques, chacun la sienne. Lui, c'est avec la bouche ouverte. Il avait une haleine un petit peu, disons, un peu discutable. Ici, on appelle ça l'haleine jaune. Et donc, pour éloigner les mauvais esprits, il leur soufflait dessus. Il faisait « Ah !» Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle « Ah !» Et puis lui, il a la bouche fermée. Et pour éloigner les mauvais esprits, il respirait très fort. Et donc, il s'appelle « comme ça. Et il devenait tout rouge, tellement il était en colère. Et voilà. Et le temple était bien gardé. J'adore ces deux histoires. Ouais, on les retrouve bien. Ils sont courroucés, là. Et on les retrouve un peu dans toute la Chine. Hein. Oui, oui, il y a pas mal de temples bouddhistes, comme ça, on les retrouve devant. Bah, c'est les dieux gardiens sont là pour ça. Donc, c'est caractéristique, ouais. Tiens, là, il y a une petite maison, là, il y a une petite ruelle que j'aimerais vous montrer. Au fond de la ruelle, comme ça, il y a un caravansérail. Le large qu'on aperçoit là. Et ça, c'est un vrai caravansérail. Il est encore habité. Arrivaient les caravanes. Ouais. Il est encore habité. On va bien enjamber la poutre. Hein, parce que sinon... Pourquoi ? Parce que sinon, en fait, on donne aux mauvais esprits la manière de rentrer dans la maison. Si on marche dessus. Voilà. Parce que les esprits n'auraient pas l'idée de lever le pied. Ah non. Et de la même manière, les esprits ne savent pas tourner. Ils avancent en ligne droite. Donc, s'ils suivent quelqu'un qui agit de telle sorte, ils vont pouvoir faire. Mais normalement, voilà. On passe au-dessus et ça reste paisible. L'esprit est un peu mouton. Oui, absolument. Un peu borné, oui. Numéro. Bonjour. Ni hao. Ah, dis donc. Bonjour. Ah, dis donc, là, on est ailleurs, là. Hein. Magnifique, hein. D'accord. Et je peux lui dire bonjour. Allons-y. Bonjour. Ni hao. Bonjour. Vous habitez ici depuis toujours? Depuis combien de temps? Je vis ici depuis que je suis née. Et vous avez vu passer des caravaniers, des muletiers ici, ou c'était déjà fini? J'en ai vu passer, mais maintenant, il n'y en a plus. Et il y avait combien de porteurs de thé qui venaient dormir ici? Il y avait entre 40 et 50 caravaniers. Ah oui? Est-ce que je peux jeter un petit coup d'œil à l'intérieur? Je suis un peu curieux. Ce coffre était pour les caravaniers. Ils y mettaient leurs objets de valeur, puis ils le recouvraient avec un drap et ils dormaient dessus. Ah ok, pour protéger leur trésor. Et ils dormaient à combien là-dessus? Ils dormaient à deux par coffre. Deux sur cette surface-là? Oui, ils dormaient tête bêche. Et donc, il fallait être très amis hein, quand on venait dormir dans votre auberge. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant leur soirée, les caravaniers? Il y avait des groupes de chanteurs qui jouaient des opérettes. Et à l'étage, il y avait des dégustations de thé. Les gens regardaient le spectacle qui se déroulait en bas. Ça se passait où? C'était juste là, je vais vous montrer. Ah, mais c'est immense!
Ici, on est sur la Seine. Les spectateurs étaient à l'étage ou dans la cour. Et vous, vous étiez petite là au milieu et vous regardiez le spectacle, vous alliez discuter avec les caravaniers. Oh, à l'époque, le plus drôle, c'était de les regarder vivre. Entre l'opéra, les chanteurs, les jeux, les discussions, ça faisait beaucoup de monde. La vie était très animée. J'aimais beaucoup cette ambiance. Et quand vous étiez petite, vous faisiez des petits numéros là pour les caravaniers? Oui, on montait sur la scène et on chantait pendant les spectacles, pour embêter tout le monde. Bon, vous interveniez au milieu du spectacle? Oui, ça amusait les adultes. Ils nous attrapaient, ils nous chassaient. Et puis nous, on recommençait. Et qu'est-ce que c'est que cette mixture? Ça, c'est une sorte de mousse. Tiens, goûte. Reviens par là, toi, ne les embête pas. Ah, lui aussi, il veut manger, il a faim. Il veut goûter? Il est gourmand. Tu veux goûter? Avec les doigts. Il aime ça. Et alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. C'est de la mousse d'un arbre. Une mousse? Oui. Oui, mangez. J'ai peut-être pris trop d'un coup. Moi aussi, je peux en manger? Oui, bien sûr, mais après. Je dirais plus foin que mousse. Vous en mangez souvent ici, ça? J'en mange souvent et j'aime ça. Ah, vous aimez ça? C'est un petit peu séco quand même, non? En général, c'est meilleur si on le met dans une omelette, si on le frit avec l'omelette. D'accord. Et alors, ici, il y avait 50 muletiers qui étaient capables d'être logés ici. Ça veut dire qu'on était capable de servir 50 repas dans ce genre de cuisine. Ouais. Ça devait dépoter. Ah, ça dépote, oui, complètement, oui. C'est vraiment un lieu très particulier. Il y a une vibration ici. On a l'impression de ressentir... Mais on revit l'histoire. Hein. On revit l'histoire, ouais. Oui, mais physiquement. Oui, ouais. La grande histoire. Là, on est là, à la cuisine. On imagine les chevaux dans les tables qui attendent pas loin. D'ailleurs, là, les deux grandes richesses des muletiers, c'était leur cargaison, et donc pour beaucoup le thé, mais aussi leur cheval qui attendait. Et l'histoire du cheval ne s'est jamais vraiment arrêtée ici au Yunnan, en Chine, puisque dans les villages perdus dans la montagne, aujourd'hui encore, le cheval est souvent un moyen de transport, et puis aussi un moyen pour les hommes de s'affronter au cours de courses qui ont lieu régulièrement entre villages. Nizhou, 3000 mètres d'altitude. C'est l'automne. Tous les habitants ont rendez-vous au pied de la montagne sacrée pour la fête des moissons. Pour Lozon, c'est une première. Cette année, il représente sa famille dans la parade à cheval. Une lourde responsabilité, sa chance de montrer qu'il est un homme, un vrai, un cavalier. Sept jours plus tôt, le même Lozon, déjà concentré sur le défi qui l'attend. À Nizhou, mon village natal, on a trois trésors. Les jeunes garçons d'abord parce qu'ils sont la force de travail. Les poignards ensuite, ceux qu'on accroche à la ceinture. Et puis nos chevaux. Avant, les hommes s'affrontaient physiquement. Maintenant, ils se mesurent à cheval. Et ils ont tous envie d'être le plus beau, le meilleur cavalier. C'est ça, au fond, qui les fait vibrer. Comme partout, non? Seulement voilà, Lozon a quitté Nizhou depuis déjà 7 ans. Aujourd'hui, il vit en ville. Il ne monte plus à cheval depuis bien longtemps. C'est bon de revenir ici. Nizhou, c'est là où la route s'arrête. Une poignée de maisons accrochées à la montagne.
La fête est encore loin. Le village sommeille encore. Ah, Jean. Ici, les cadeaux ont bien plus de valeur que les embrassades. Pinko, tu t'es là. Le soda, les fruits, on n'en trouve pas au village. La première épicerie est à 2 heures de route. Depuis que son père est mort, Lozon n'a plus que sa sœur ici. C'est elle qui s'occupe de la maison familiale. Ma sœur est comme une mère pour moi. C'est elle qui m'a élevé quand notre mère est morte très tôt. Elle occupe une place irremplaçable dans mon cœur. C'est bien qu'ils reviennent pour la fête des moissons. C'est une vieille tradition à Nizhou. Il faut qu'elle se transmette, que les jeunes y participent. Je suis vraiment très contente. Notre père y tenait beaucoup. Il adorait le défilé à cheval. Il y participait chaque année. Maintenant, c'est au tour de Lozon. Lozon n'a que 6 jours pour se préparer. Avant tout, il doit trouver un cheval. Mais pas n'importe lequel. Il veut défiler sur son cheval. Celui qu'il montait quand il était enfant. Ce cheval, il est là-haut, dans les alpages. 1000 mètres au-dessus du village. Lozon a perdu l'habitude de la montagne. Il est un peu à la traîne. Cette route, il la connaît pourtant par cœur. Elle n'a pas changé depuis 5 siècles. Ça, c'est une des branches de la route du thé. On l'emprunte encore aujourd'hui pour emmener nos produits dans les alpages. Elle joue toujours son rôle de voie d'échange et de communication entre les gens. Les chevaux ont l'habitude, ils sont robustes et ils n'ont pas peur de grimper. On arrive, c'est la 3e maison là-bas. Je suis épuisé, mais tellement content de revenir ici. La famille se relaie ici toute l'année pour s'occuper des bêtes. La ferme lui appartient, mais les terres autour sont à tout le monde. Le cheval qu'il est venu chercher, c'est lui, Ambar. En tibétain, ça veut dire cheval blanc. C'était son camarade quand il était enfant. Mais dans une vie de cheval, c'était il y a longtemps. Il va falloir être patient, se réapprivoiser, prendre le temps d'être ensemble. C'est vrai que ce n'est qu'un animal, mais je pense vraiment qu'il se souvient de moi. Je vais
Lozon aussi doit faire appel à sa mémoire, retrouver les sensations, les règles de base de l'équitation. Ça approche. On a demain, après-demain et après-après-demain, encore 3 jours avant la fête. C'est pas gagné, hein, parce qu'il a son petit caractère. Tout reste encore à faire, mais Lozon garde le moral. Petite pause thé au beurre de yak, comme quand il était petit. Cette chanson, c'est pour compter le nombre de tours pour faire le beurre. Alors on compte jusqu'à 100, on s'arrête et puis encore 100. Tu t'es encore trompé. Ces moments de partage avec les anciens, c'est toute mon enfance, que des bons souvenirs. Ce que j'ai appris ici avec eux, c'est ce que j'ai de plus précieux. Mais après tout ce temps, même si tout m'est familier, je me sens un peu comme un étranger. Beaucoup de choses m'échappent. Retour au village, plus que 3 jours avant la fête. Il a besoin d'un entraîneur. Un de ses cavaliers pour qui le défilé n'a plus aucun secret. De préférence, un ami. Ça, c'était l'année dernière, une course pour la fête des moissons. Je suis arrivé deuxième. Et ça, c'est ma toute première participation. Quand on était petit, je voyais toujours Happy avec les chevaux. Il passait son temps à les monter, à jouer avec eux. Et moi, j'étais en totale admiration devant lui. Happy est un cavalier hors pair. Chaque année, il parade pour le grand défilé de la montagne sacrée. Il impressionne toujours. Pour Lozon, ses conseils valent de l'or. Le premier d'entre eux est de bien choisir ses accessoires. Eux aussi, ils ont une tenue spéciale pour les grandes occasions. C'est comme si on l'avait habillé de fleurs multicolores. Et tu vas voir, il va être fier. Il va marcher la tête haute, bien plus haute que d'habitude. Pour que Ambar et Lozon gardent la tête haute, qu'ils sachent où ils mettent les pieds, Happy les emmène en repérage. Le trajet du défilé est long et très accidenté. Le but pour nous, c'est de faire le tour de la montagne à cheval, pour lui rendre hommage, parce que c'est une montagne sacrée. On le fait à cheval parce que pour nous, le cheval est un messager, un intermédiaire entre les hommes et les divinités. Ici, c'est dangereux. La pente est très raide. Si tu arrives trop vite, tu risques de perdre le contrôle. Surtout que ça va être la bousculade, non ? Tiens, regarde, il nettoie déjà pour la fête. Pour l'instant, Lozon n'a qu'une idée en tête : soigner son allure sur le cheval. Petite démonstration de ce qu'il est censé faire dans moins de 24 heures. «
Il y a des chevaux qui galopent en faisant des grands pas, comme ça. Et d'autres qui font des petits pas élégants, comme ça. C'est ça que je veux faire. L'oson a beau y mettre du sien, il est encore loin de l'idéal du cavalier tibétain. Il s'en sort pas trop mal. Ça devrait aller. Mais il faut vraiment qu'il soigne ses virages. Ça y est, c'est enfin le grand jour. Le plus important de l'année pour tous les villageois. Une journée rythmée du lever au coucher du soleil par une succession de rituels. Pour l'oson, elle commence par un moment de recueillement et de méditation. Ces gestes-là, il ne les a pas oubliés. C'est un très beau début de journée. C'est bon signe. Ça, c'est la tenue des grandes occasions. C'est de la laine et il a été entièrement fait à la main. L'étoffe a été tissée ici, à la maison, par ma mère et ma sœur. Et puis mon père a assemblé les pièces. Dans les légendes tibétaines, le héros est toujours un beau jeune homme courageux, en costume et en armes, monté sur son cheval. Imiter ce héros, c'est vraiment un rêve d'enfant, et c'est ce rêve-là que je vais réaliser maintenant. Ce matin, l'oson n'est plus un citadin. Il est l'homme de Nizou. Ce lourd costume est un symbole. Avec lui, il endosse le poids des responsabilités. Il devient l'homme de la maison. On vient de toute la vallée pour la fête des moissons. Comment ça marche? On s'assoit par village? Happy ne viendra pas, il est malade. Je me sens comme un sportif qui a perdu son entraîneur le jour de la finale. Mais l'important, ce n'est pas d'être le meilleur cavalier. Ce qui compte, c'est juste être là avec les autres. Les gens d'ici sont adeptes du Tsampa, un bouddhisme des origines teinté d'animisme. Ah,
Seuls les hommes peuvent monter au stupa pour prier. Tout le monde attend le départ de la parane, mais personne ne donne le signal. Et puis un homme s'élance. Les chevaux embrayent tout de suite, avec ou sans cavalier, dans l'anarchie la plus totale. Chacun son rythme, chacun son style. Quoi qu'il arrive, ce tour de la montagne leur portera bonheur pour les 12 mois qui viennent. Lauzon a fait le choix de la prudence. Il n'est qu'à mi-parcours quand les premiers arrivent autour du stupa. Par cette cérémonie, les hommes, les chevaux, les dagues ont été bénis. Les trois symboles de la virilité. Les trois trésors des gens de cette vallée. Ça y est, je suis béni et accepté. J'ai le droit de porter ce poignard maintenant. Eh oui, à partir d'aujourd'hui, mon petit frère n'est plus un enfant. C'est devenu un vrai homme tibétain. Je me sens à ma place parmi tous ces gens. Je fais partie de cette communauté. Définitivement. Ce rituel a changé Lauzon, pour toujours. Redevenu citadin, il gardera au fond de lui une petite part de héros, ce cavalier tibétain qui le faisait tant rêver quand il était gamin. Après les chevaux, les montagnes et les plantations de thé, j'ai très envie d'aller voir à quoi ressemblent les villes du Yunnan. Me voilà au sud de la région, dans une ville de 600 000 habitants. C'est le cœur économique de la production de l'exceptionnel thé puer. Alors ça, c'est la ville de Jinghong, qui est au pied de montagnes couvertes de thé. Donc évidemment, dans cette ville, il y a un quartier du thé, avec plein de petites boutiques comme ça, où on peut venir soit en tant que commerçant ou en tant que particulier acheter son thé. Et je vais en voir une. Celle-là, il y a pas mal de monde. Toc, toc, toc. Bonjour, je peux entrer? Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Tous les jours, des amis ou des clients viennent pour discuter et déguster le thé. Parfois, on y passe toute la journée. Le même client, pendant toute la journée, il discute et il boit du thé? Vous savez, c'est une vraie chance d'être ici et de boire du thé ensemble. On apprécie vraiment ces moments de partage et du coup, on ne voit pas le temps passer. Et alors, est-ce que ça prend du temps aussi? Parce que les enjeux sont importants. Le prix de ce thé très, très précieux est très élevé. Ce thé est vraiment extraordinaire, plein de charme. Chaque variété de thé a ses propres qualités et apporte quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il faut du temps pour en goûter plusieurs. Il ne faut pas être pressé parce que le thé nous dévoile ses charmes lentement. Et alors vous, qu'est-ce qui vous conviendrait comme thé alors? Moi je préfère le thé rouge, le thé fermenté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a comme qualité celui-là? Pourquoi vous aimez celui-là? En fait, les thés trop jeunes sont très forts.
et m'empêche de dormir. Alors que le thé rouge est plus doux. Et alors, ce thé-là qu'on vient de nous servir, comment vous le définiriez, vous qui êtes des connaisseurs? Parce que moi, je ne suis pas spécialiste. Excellent. Pour moi, c'est un très bon thé, pour une consommation quotidienne. Pourquoi est-ce qu'il vous convient? Vous pouvez me décrire? C'est le goût. Principalement, c'est son goût qui me plaît. Cette douceur, ce parfum, si tendre. Écoutez. Ah oui, c'est très doux, effectivement. Ah oui, c'est d'une douceur exquise. Comme du riz gluant. Alors, j'aurais pas pris ça comme comparaison, mais effectivement, ça ressemble un peu au riz gluant, pour ceux qui connaissent les plats chinois. Et effectivement, il y a une espèce de douceur presque, pas pâteuse, mais il y a quelque chose voilà, qui enrobe la langue et le palais. En même temps, son parfum est persistant. Vous devez connaître le whisky. C'est comparable. Le parfum monte dès la première gorgée. Un parfum doux, mais prononcé. Oui, et c'est vrai, il est long en bouche, comme on dirait pour le vin. Ah, exactement. Oui, c'est ça. Le thé puer a beaucoup de points communs avec le vin. Je sais que pour les vins français, ce sont les châteaux qui comptent. Pour le thé, ce sont les collines. Selon le lieu de production et les conditions de conservation, le goût change subtilement. C'est tout à fait remarquable. Ah oui, donc en fait, c'est un peu comme le vin, c'est qu'il y a le terroir, la cave, c'est les mêmes étapes. Le millésime compte énormément aussi. Les pouers fermentés présentent une couleur rouge intense, comme le vin. Selon le nombre d'infusions, ça n'a pas le même goût, évidemment. Absolument. Après plusieurs infusions, le thé nous dévoile ses différentes facettes. C'est comme monter un escalier. À chaque marche, c'est un nouveau paysage. L'intensité augmente jusqu'au moment où le thé trouve son équilibre parfait. Puis elle diminue. On parle de trois caractères pour le pu'er: rond, poli et doux. Ces sensations, c'est le goût de la vie. Doux, amer et mûri par le temps. Mais franchement, j'ai jamais rien bu d'aussi suave. C'est une caresse. Sentez comme ce thé a un parfum de miel. Ah oui, c'est incroyable. Ça sent le miel, exactement le miel, oui. En fait, les arbres à thé poussent généralement en altitude, dans les montagnes. Et la montagne nous cache beaucoup de secrets, comme des herbes médicinales ou des fruits inconnus. La proximité de tous ces parfums enrichit le thé et crée des goûts surprenants. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de celui-là, vous? C'est un thé qui a seulement un an. La qualité est très bonne, mais il est encore trop amer. Si dans 5 ou 6 ans, vous regoutez le même thé, il sera beaucoup plus doux. Et j'aurais appris des tas de choses là, cet après-midi. Et en plus, c'est vrai que c'est un beau moment. On discute, on ne voit pas le temps passer, tout est vrai. Et on a envie de rester. Franchement, vous êtes, c'est magnifique. Et vous êtes superbe là. Avec le thé pu'er, on ne voit vraiment pas le temps passer. On a juste envie de rester ensemble. On pourrait en parler des heures et des heures. C'est ça. En fait, le thé, c'est plus que du thé, c'est plus qu'une boisson, c'est une philosophie. Et s'il y a une chose qui peut m'extraire de la douce intimité de cette boutique à thé, c'est ce qu'il se passe à l'extérieur. Dans les rues de la ville, c'est l'événement de l'année. Le nouvel an thaï, 3 jours de fête non-stop. Ce qu'il y a de bien, c'est que si vous voyez rien au défilé, ouais. Il suffit de regarder sur les smartphones des gens, en fait.
Donc vous pouvez être en arrière, c'est pas grave. Ce qu'on sait pas trop, c'est que la Chine, c'est énorme. Plus d'1,3 milliard d'habitants. On a l'impression que c'est une espèce de gros bloc uniforme avec des Chinois. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. En Chine, il y a 56 ethnies différentes. Rien qu'au Yunnan, il y en a 25 différentes. Le Yunnan, c'est la région de Chine où il y a le plus d'ethnies différentes. Donc ici, quand il y a une fête, quand il y a un gros défilé, bah, c'est le défilé des ethnies qui viennent se montrer sous leurs plus beaux jours. Bonjour. Qu'est-ce que vous prenez en photo? Je prends des photos des danseuses. Elles représentent les différents groupes ethniques de notre région. Et c'est important comme ça, quand on est une minorité en Chine, d'avoir un moment où on peut défiler, se montrer, se mettre dans la tenue traditionnelle? Oui. Chaque année, lors du Nouvel An d'Aï, on revêt nos plus belles tenues traditionnelles. Et on vient danser et chanter ici, sur la grande place de Jingong. C'est une féerie de couleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de minorités différentes ici dans le Yunnan? Dans le passé, il n'y avait pas de ville. Il n'y avait que des hameaux éparpillés dans les montagnes. Les échanges étaient rares. Les rivières et les montagnes étaient des obstacles infranchissables. Alors les gens ne communiquaient pas. Au fil des siècles, chaque ethnie a développé sa propre langue, son propre mode de vie et ses croyances. Le seul moyen de voyager et d'aller vers les autres, c'était d'emprunter l'ancienne route du thé. Elles sont sympas, hein ? Et alors, vous représentez quelle minorité, vous ? Hani. Et tout le monde a l'air vraiment content, il y a de la joie sur les visages. Pourquoi? C'est la fête des minorités. Notre ethnie, c'est notre identité. Et vous faites partie de quelle ethnie, vous, quelle minorité, avec toutes ces fleurs? Je suis Boulang, et nous, les Boulang, on adore les fleurs. On en porte beaucoup sur nos coiffes. Je ne connais pas beaucoup de peuple qui se définit en disant « nous, on aime les fleurs ». C'est comme ça. Les Boulang expriment leur admiration pour la nature à travers leur amour pour les fleurs. Lorsqu'une fille Boulang a 16 ans, ses parents lui mettent des fleurs dans les cheveux. Lorsqu'elle va rencontrer un garçon qui lui plaît, elle va prendre une de ses fleurs et la lui donner. Elle lui offre sa fleur. Alors, il y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas croire non plus que la Chine est une mosaïque, un patchwork de plein de minorités différentes réparties sur tout le territoire. En fait, l'ensemble des 56 ethnies est réparti en une grosse ethnie, les Han, qui fait 92% de la population, et puis les 8% restants, c'est les 55 autres ethnies. Donc, il y a quand même une grosse majorité Han. Et vous faites partie de quelle minorité? Ma mère est Dai et mon père est Han. Je suis moitié Han, moitié Dai. Après les courses de bateaux traditionnelles, je vais de surprise en surprise. La ville, tout à coup, n'est plus la même. Je sens qu'il se passe quelque chose. Les habitants se déplacent avec de drôles d'ustensiles à la main. J'ai même du mal à reconnaître Li Juan qui m'attend, l'arme au poing. Salut! Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mon pistolet à eau. Si je vous aime bien, je vous asperge. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire là au milieu? C'est notre fête de l'eau. On arrose tout le monde. C'est du délire. Non. C'est génial. C'est comme ça qu'on se souhaite la bonne année. Eh mais c'est dégoûtant, moi je suis pas armé. Non. Au secours. Eh, je ne suis pas armé. Je ne suis pas armé. C'est injuste. C'est complètement fou. Il y a des milliers de personnes en train de s'arroser. Alors, j'ai pas d'armes, moi, là. Ah! Alors là. C'est quand même dingue, j'ai jamais vu ça nulle part. En plus, c'est un mélange de jeunes, d'anciens, tout se mêle, c'est fou. Plus on est trempé, mieux c'est. L'ambiance est vraiment chouette. Les batailles d'eau, c'est notre manière de se souhaiter de bonnes choses. On est mouillé? Quelle importance. On rentre chez soi, on prend une douche, on met des vêtements secs, et voilà. Allez, on y retourne. Le temps de sécher un peu, la nuit est tombée sur la ville. J'ai un nouveau rendez-vous avec Li Juan, et là encore, c'est une surprise. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça, une ambiance comme ça. Regardez ça, c'est tout féerique, un peu enfantin. Et puis en même temps, regardez ça, des milliers de lanternes qui illuminent le ciel. Et chacun vient apparemment lancer sa lanterne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a Li Juan là-bas. Hey, bonsoir. Hey, mais c'est magnifique, enfin, c'est incroyable cette ambiance. Vous avez vu comme c'est beau, toutes ces lanternes? Non, mais c'est super. Il y a toute la ville qui est là. Oui, toute la ville est là. Tout le monde est venu en famille pour lancer des lanternes. Chaque année, c'est pareil. On vient ici envoyer des lanternes au-dessus du Mekong. Qu'est-ce que vous allumez là? Qu'est-ce que c'est dessous? Là, j'allume la bougie de la lanterne. Et ça doit chauffer pendant longtemps? Environ une ou deux minutes. Avant de lâcher la lanterne, on fait un vœu pour l'année à venir. Et est-ce que je peux vous demander quel vœu vous allez faire là, quand la lanterne part? Ah non, si je vous le dis, mon vœu ne se réalisera pas. Mais si vous venez l'année prochaine, je vous dirai mon vœu de cette année. Ah, ça y est, c'est parti. Ah, c'est beau.
Monte, monte, monte. Ça y est, c'est bon. Et le vœu, le vœu. Ah bah dis donc, vous avez l'air contente. Hein. Bien sûr que je suis contente. Parfois, la lanterne ne monte pas et elle retombe dans le fleuve. Ça veut dire que le vœu ne se réalisera pas. Mais c'est bon, vous voyez? Elle est là-haut dans le ciel. Allez, une pour moi, c'est gentil. Mes amis et moi, on vous offre une lanterne pour que vous aussi, vous puissiez faire un vœu pour la nouvelle année. On va vous aider à l'allumer parce qu'il commence à pleuvoir. Et quand la pluie arrive au moment où on doit faire un vœu, oh, ben la lumière s'éteint. Ah, c'est un signe. Et au moment où on doit faire son vœu, est-ce que c'est mauvais signe ou bon signe? Non, non, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Regardez, la mienne vole bien. Mais si votre lanterne tombe, votre vœu ne se réalisera pas. Ah bon? Faut peut-être pas que je demande un truc trop important. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là. On va tout faire pour que ça marche et que votre lanterne s'envole bien. Bon, j'y vais. Faites votre vœu. Eh bien, je dois faire mon vœu avant, hein. Donc je le fais maintenant. Voilà. Ah. Ah, ça y est, ça prend. Ça y est. On lâche? Non, non, pas encore. On attend que ça chauffe bien. Protège bien la lanterne avec le parapluie. J'adore le parapluie pour protéger la lanterne. C'est la première fois qu'on fait ça sous la pluie. Mais vous voyez, ça a marché. Votre vœu va pouvoir se réaliser. Regardez, votre lanterne est déjà tout là-haut. J'ai adoré ce moment, léger et intense à la fois. En Chine, la tradition n'est jamais très loin, et la modernité, partout. Avec parfois des chantiers pharaoniques, comme cette autoroute qui emprunte une partie de l'ancienne route du thé, un serpent de bitume à plus de 2000 mètres d'altitude qui tutoie les nuages. L'autoroute Yaxi traverse la province du Sichuan. On l'appelle ici l'autoroute du ciel. Un chantier colossal de 5 années. Au fil des kilomètres, 270 ponts enjambent vallées et cours d'eau et 25 tunnels perforent la montagne. Des paysages souvent grandioses qui cachent aussi des cols difficiles pour les camionneurs qui doivent livrer leur cargaison par tous les temps. Voici les principales missions de la journée. Liu Jirgeng, le chef de la brigade de l'autoroute, briefe son équipe, comme tous les matins, à 2400 mètres d'altitude. Selon les prévisions, il va probablement neiger aujourd'hui. Pendant les patrouilles, il va falloir vérifier la température de la chaussée. Si un camion est en difficulté dans l'ascension, il faudra évidemment l'aider. Liu a une vingtaine d'hommes sous ses ordres. Ces agents de la circulation sont les anges gardiens de cette nouvelle route du thé. Cela fait 3 ans que l'officier Liu est en poste ici et cette montagne enlacée par l'autoroute l'a conquis. Sous cet angle-là, la route est vraiment magnifique. Regardez, il y a 3 niveaux d'autoroute avec un dénivelé de 400 mètres en seulement 11 km. Les architectes ont fait une prouesse extraordinaire. C'est la plus belle route sur laquelle j'ai travaillé. Quand il y a du brouillard, on a l'impression d'être au cœur des nuages. C'est pour ça qu'on appelle cette route l'autoroute du ciel. La grande fierté de l'officier Liu et de toute la région, la voici. Nous arrivons sur le fameux pont Ganreise. Il est unique en Chine, en raison de sa structure, mais aussi à cause de l'endroit où il est implanté.
Des allures de grand 8 et d'attractions foraines. C'est un viaduc métallique long de 2 km. La géologie des lieux a empêché une construction en béton. Il a fallu monter des tubes d'acier creux pour réduire le poids de l'ouvrage. 800 personnes ont été mobilisées pendant 3 ans, à 110 mètres de haut. Le pont Ganreise fait maintenant l'admiration de tous ceux qui l'empruntent, comme l'officier Liu. Je suis très fier de ce pont. Et en plus, vous vous rendez compte? Cet édifice est dans mon secteur. Je passe tous les jours dessus. C'est comme si c'était un collègue de travail. Des milliers de camions circulent ici chaque jour. Liu et son équipe ont en fait en charge la partie la plus élevée de cette autoroute du ciel, la plus dangereuse aussi. Le dénivelé, plus de 7%, et la longueur de l'ascension épuisent les machines et les conducteurs. Chou Lin s'aventure ici 2 fois par semaine. Il transporte des fruits et des légumes direction Chengdu, la capitale de la province, à 600 km au nord-est. Le trajet me prenait une dizaine d'heures minimum avant l'autoroute. Mais maintenant, j'arrive à le faire en 8 heures. Pour nous, les camionneurs, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Mais ce jour-là, Chou Lin est inquiet. Il débute son ascension qui va le mener à près de 2500 mètres d'altitude et la météo est en train de se gâter. Il commence à neiger là. En partant ce matin, je n'aurais jamais pensé qu'il allait neiger. La météo est anormale cette année. En général, il ne neige plus à cette période. Regardez, il y en a partout. On peut à peine rouler. Il doit bientôt passer le fameux pont métallique à 110 mètres de haut. Bien sûr que j'ai peur de glisser. Pour le dire franchement, dans ces conditions-là, je pense souvent à mes 2 enfants en bas âge. Mais on est bien obligé de rouler, même avec cette météo. Pendant des heures, Chou Lin affronte les intempéries et la fatigue. La neige ralentit considérablement son trajet. Il ne peut plus continuer et doit s'arrêter pour la nuit. Ce dîner imprévu est l'occasion de retrouver un collègue et de goûter la spécialité locale, la fondue du Sichuan. Des légumes, des abats, des boulettes de porc, le tout dans un bouillon de bœuf. Nous, les routiers, nous passons quasiment notre vie dans la cabine. C'est rare d'avoir des moments de détente comme ça. Quand on est bloqué sur la route à cause d'une mauvaise météo comme aujourd'hui, un bon repas entre amis, c'est vraiment appréciable. Un moment de convivialité rare pour celui qui passe la semaine seul dans son camion, loin de sa femme et de ses 2 fils.
Une vie de solitaire et pas toujours confortable. Pour 550 euros par mois, le salaire moyen en Chine. Je suis épuisé. Je ne vais pas être long à dormir. Le lendemain matin, Chulin a repris la route depuis 2 heures déjà. Et le soleil éclaire maintenant son trajet. Un nouveau défi attend le chauffeur. Une très longue descente. Mais avant, un arrêt obligatoire et l'agent Liu veille au grain. À ce péage, chaque camion est pesé. Le risque, c'est qu'un véhicule surchargé ne puisse plus freiner. Et ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. À partir d'ici, les véhicules vont descendre pendant 51 km. Leur poids s'affiche sur cet écran-là. Et puis parfois, j'en profite pour rechercher aussi les matières dangereuses. Chulin est déjà en retard, pourvu que l'officier Liu ne soit pas trop tatillon. Le conducteur se lance dans la descente, à flanc de montagne. 80 km/h maximum. Surtout, ne pas prendre de risques. En fait, la pente n'est pas très raide. Mais comme ça dure pendant des dizaines de kilomètres, je dois faire attention à ce que le camion ne soit pas entraîné par son élan. Vous savez, mon camion n'est pas chargé à bloc aujourd'hui. Mais je m'inquiète quand même pour les disques de frein. Ils doivent être constamment refroidis avec du liquide. S'il n'y a plus d'eau ou que le tuyau est bouché, alors les disques risquent de chauffer et de causer un incendie. 51 km et une dizaine d'accidents chaque année. Une descente redoutable pour les nerfs et pour la mécanique. Je vais ajouter un peu d'eau, là. À voir la fumée qui se dégage de ses freins, il était plutôt temps. Après la descente, Chulin aborde la dernière ligne droite de son parcours, dans la vallée cette fois. Des kilomètres dans un décor magistral. C'est un lac artificiel avec un barrage en aval. Vous voyez, le niveau de l'eau n'est pas très élevé en ce moment. Sinon, ce serait encore beaucoup plus beau. C'est vraiment la partie de la route que je trouve la plus jolie. Ce que j'aime avec cette autoroute, c'est qu'à chaque virage, je découvre un nouveau paysage. Après avoir livré sa marchandise à Chengdu, Chulin repartira le lendemain avec une nouvelle cargaison. La fameuse autoroute du ciel poursuit, elle, sa progression vers l'ouest et le Tibet cette fois, sur les traces de l'ancienne route du thé. Et rien n'arrête ce géant de béton et de bitume, pas même la montagne régulièrement éventrée.
Bientôt, un nouvel ouvrage gigantesque verra le jour ici, pour faciliter le trajet des camionneurs comme Tcholin. Un ouvrage où les ouvriers jouent pour l'instant les équilibristes à 120 mètres de haut. C'est le pont d'Adouroué. En contrebas, dans le village de Xingfuping, les anciens ont un peu de mal à en croire leurs yeux. Li Yin habite ici depuis 40 ans. Sa maison est située en quelque sorte au carrefour de l'histoire. À l'époque, les porteurs de la route du thé passaient juste ici, devant chez moi. Si on suit le chemin, on voit encore leurs traces. On peut encore voir les empreintes des cannes des porteurs sur les pierres. Elles sont là-bas, au pied de l'autoroute. Dans quelques mois, l'avenir de la région et de Madame Yin se jouera plutôt en levant les yeux cette fois, avec un balai aérien de poids lourd. En attendant que l'autoroute soit achevée, les chauffeurs doivent se contenter de la nationale. Au fur et à mesure que la route s'élève vers le Tibet, les camions zigzaguent dans cet écrin naturel. Au sommet, le Zhuoshan, 4300 mètres. Quasiment l'altitude du Mont Blanc, franchie par les 38 tonnes. Mais la Chine voit toujours plus grand et plus fort. Et peut-être qu'un jour, l'autoroute du ciel viendra jusqu'ici, colonisant les immenses plaines et bousculant la vie des yaks et des habitants de cette région préservée. Voilà, c'est la fin de ce voyage dans une Chine bien, bien différente de tout ce qu'on imagine. Dans les montagnes du Yunnan, pas de traces de la Chine, usine du monde, mais plutôt un univers comme préservé. Ici, du passé, on n'a pas totalement fait table rase. Et la route du thé semble être devenue un bien aussi précieux que le thé lui-même. À très vite, sur d'autres routes.